Je suis poseur d'un revêtement de sol, solier moquettiste. Mon but est de replacer les matériaux tels que la moquette. Et aujourd'hui, en l'occurrence, c'est la moquette en dalle bleue qu'il faut remplacer par la moquette en dalle marron, rouge. Les différentes étapes, c'est simple. Il faut déjà déposer le revêtement, voir le sol dans quel état il est. Si besoin, reboucher les trous éventuels. Et puis après, une repose quasi immédiate. Alors, j'ai repéré quelques petits trous qu'il va falloir que je rebouche. Je suis allé avec mon père, qui faisait le même métier. J'avais appris avec lui pendant toutes les vacances, les quelques années auparavant. J'avais 17 ans hein, quand j'ai arrêté l'école. Et puis, comme j'avais déjà un petit peu d'expérience dans l'envêtement de sol, j'ai tout de suite été pris par son patron. Ah, 50. 48, donc ça va passer en dessous d'un centimètre. Ce qui me plaît le plus, je crois que c'est la diversité des chantiers. Et le fait qu'on soit pas... ce soit pas un travail répétitif. C'est pas tous les jours la même chose. On peut... bien être chez des particuliers ou dans un hôtel, faire des chambres d'hôtel, des escaliers. C'est jamais la même chose. Ce qui me plaît moins, c'est quand on arrive sur un chantier et puis c'est particulièrement sale. Déjà, ça plaît déjà beaucoup moins. Et puis alors ça dépend aussi. Il y a des clients qui sont relativement gentils. Il y en a d'autres, c'est limite. Dans une grosse société, on peut amener à être responsable de chantier avec le temps, maîtreur, commis de chantier, voire plus, s'il faut. Puis même à la limite, créer sa propre entreprise,